تلاميذ كي تخرجوا منا وخرجوا بهدوء ردوا بالكم السيارات وحتى المقاعد النهار. حماية أطفالنا مسؤوليتنا جميعا. Fatima Bédar est née le 5 août 1946 à Bijaya. Son père Houssine, ancien tirailleur algérien, mobilisé durant la Seconde Guerre mondiale, a dû quitter son Algérie natale pour chercher du travail en métropole. Il est employé à Gaz de France. Fatima passe les 5 premières années de son enfance en Algérie. En 1951, elle rejoint sa famille en France. Fatima était animée d'un grand sens de responsabilité. Elle seconde sa maman dans les tâches domestiques, aide sa sœur Louisa et accompagne son frère Djoudi à l'école maternelle. Elle suivit sa scolarité au collège commercial et industriel féminin, rue des Boucheries, à Saint-Denis. Un certain mardi 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes défilent dans Paris pour protester le couvre-feu imposé par le préfet Maurice Papon. Cette manifestation était pacifiste. Les manifestants ne portaient aucune arme et avaient consigne de ne répondre à aucune violence. Avec ses deux grandes nattes, et son sourire juvénile, Fatima voulait prendre part à cette manifestation pacifiste. Sa mère Dida, enceinte de Zahia, refuse et lui demande de rester avec son frère Djoudi, âgé de 5 ans. En cette journée du mardi, Fatima a classe. Elle prend son cartable et sort de la maison en courant. Sur les ponts, au sortir des métros, les forces de l'ordre attendaient les manifestants. La répression est féroce. Des milliers de blessés, des dizaines de morts. Durant des jours, des cadavres sont retrouvés dans la Seine. La seule femme parmi les centaines de victimes de la répression, noyée dans la Seine, est restée dans ses eaux glaciales avec son cartable plus de 2 semaines et la collégienne Fatima Bédar. Elle n'avait pas encore 15 ans. Je vous donne rendez-vous ce samedi soir à partir de 22h dans votre émission Diasporama. Il sera question d'aborder la thématique du poids de l'Algérie sur le plan international. Soyez au rendez-vous. Idis, tout le monde en parle. Désormais chez Simon Motors, venez découvrir la nouvelle Hyundai i10 au prix exceptionnel d'1 778 800 dinars. Avec bien sûr une livraison immédiate et cela dans la limite des stocks disponibles. Simon Motors, distributeur exclusif de Hyundai et de l'usine TMC en Algérie. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Célébration de la Journée nationale de l'avocat ce samedi. Le président de la République a adressé un message, lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Un message dans lequel le président Bouteflika souligne le combat et les sacrifices des avocats algériens durant la révolution algérienne. On parle également ce soir du message présidentiel. Abdelaziz Bouteflika souligne le choix démocratique qui est un principe ancré dans la consécration et qui s'appuie sur des règles claires. Dans ce sens, le président de la République indique qu'un intérêt particulier a été accordé au respect des échéances électorales.
Abdelkader Messahel en visite aujourd'hui en Serbie. Le ministre des Affaires étrangères y a rencontré plusieurs personnalités de ce pays, à leur tête le Premier ministre. L'occasion pour la Serbie de réaffirmer sa position sur la décolonisation du Sahara occidental. Et puis, cette information rapportée également ce soir, cette cache contenant une importante quantité d'armes et un lot considérable de munitions et d'autres pièces qui a été découverte hier à Borjbeji Mortar par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique le ministère de la Défense nationale. On y reviendra bien sûr tout à l'heure en détail. Bienvenue à tous. Les festivités marquant donc la célébration de la journée nationale de l'avocat ont débuté ce samedi au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, à Alger bien sûr, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette célébration, à laquelle assistent les représentants de l'Union des avocats arabes, a été marquée par un hommage qui a été rendu au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par l'Union nationale des barreaux algériens. On y reviendra tout à l'heure. Ainsi qu'à quelques avocats moudjahidines pour leur lutte durant la glorieuse révolution de novembre. La journée nationale des avocats coïncide, il faut le rappeler aussi, avec l'anniversaire de l'assassinat de feu avocat Ali Boumendjel. Et puis à cette occasion, le président de la République a adressé un message lui en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyip Louh. Un message dans lequel le président Bouteflika a souligné tout ce combat et ces sacrifices des avocats algériens durant la révolution de novembre. C'est donc soulignant aussi que les responsabilités qui leur incombent aujourd'hui relatives aux réformes du secteur de la justice qui leur a permis d'atteindre un niveau élevé en matière de compétences et de professionnalisme. On s'intéresse justement au message présidentiel. Le président de la République, dans ce message, a exhorté toutes les institutions concernées par les réformes engagées dans ce secteur à œuvrer dans l'élaboration des textes législatifs et des adapter avec les règles de la nouvelle Constitution, tout en veillant à l'application des lois en toute souveraineté, indépendance, mais aussi toute neutralité. Le président Bouteflika a également souligné la nécessité de consolider de nouvelles bases pour continuer dans le sillage du développement dans un environnement international difficile, et ce par la concrétisation de la réconciliation nationale dans un environnement sécurisé et stable. On écoute un extrait du message du président de la République. Inna al-adala. Inna al-adala hiya majal tahqiq al-tawazun. La justice est l'espace où se réalise l'équilibre dont le renforcement et la préservation appellent à la contribution de tout un chacun. L'autorité judiciaire, dans toute sa composante, demeurera attachée à son étendue constitutionnelle et à l'application souveraine, indépendante et impartiale des lois dans le cadre de la conviction profonde de promouvoir et développer les droits et les libertés et poursuivre l'entreprise d'assainir la société de toutes les irrégularités et de tous les fléaux. Aussi, j'appelle tous les autres secteurs concernés à œuvrer, chacun dans son domaine de compétences, à accorder à cette démarche la diligence requise et élaborer les projets de texte qu'il convient de préparer en vue de leur adaptation aux nouvelles dispositions constitutionnelles. Il importe que tout un chacun comprenne que réunir les meilleures conditions de vie pour le citoyen et améliorer sa situation à tous les niveaux implique la poursuite du développement et que c'est là un pari tout aussi important, voire le plus important. Il est crucial également de ne pas perdre de vue les enjeux de la conjoncture au vu de la recrudescence des risques et périls qui planent sur de larges pans de nos frontières et auxquels s'ajoute la rude concurrence internationale et le conflit des intérêts économiques entre pays forts pour s'accaparer les ressources disponibles sans se soucier des faibles. Ces réalités sont autant de facteurs supplémentaires qui doivent inciter les mêmes enfants de la patrie à la cohésion sociale, à la préservation de l'unité nationale et à l'atténuation des situations de tension et de parti pris qui sont nuisibles au consensus dont nous avons si besoin en pareille conjoncture. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans son message, a tenu également à rendre un hommage particulier à tous ces avocats étrangers qui ont défendu la cause algérienne partout dans le monde durant la colonisation française, ces bâtonniers qui se sont attachés à leurs convictions pour accomplir leur noble tâche. Écoutez. Inna ahya'akum li hadha al-yawm huwa ta'kid lil-irtibat ma'a hadha ar-rasid al-hafil bil-majd
En célébrant cette journée, vous confirmez votre attachement à ce legs glorieux et soulignez la place qu'occupe le métier d'avocat dans le processus de lutte humaine contre l'injustice et l'iniquité et pour la liberté. La justice et la consécration des droits censés être garantis à tout un chacun. Autant de nobles valeurs qui ont amené d'honorables avocats étrangers à défendre avec bravoure la cause algérienne durant la Révolution, certains ayant même payé de leur vie ces positions courageuses. À ces hommes qui sont demeurés fidèles à leurs principes et qui ont su allier les impératifs et la déontologie de leur profession d'avocat et le courage de la lutte pour leurs convictions, j'exprime tous mes remerciements et toute ma gratitude et mon respect. Les gens de cette profession séculaire sont investis d'une insigne mission aux objectifs et dimensions variées. Ils sont une composante essentielle et constante de l'action judiciaire et ils sont en mesure de contribuer dans d'autres domaines en faveur de leur nation et de leur patrie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعده تقبل الله صلاة الجميع. On parlait à l'instant donc avec ces deux extraits du message présidentiel qui sont adressés à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la Journée nationale de l'avocat. On revient avec d'autres détails sur le message du président de la République. Dans son message notamment, le président souligne que le choix démocratique est un principe ancré dont la consécration s'appuie sur des règles claires, dans le sens où le président de la République indique aussi qu'un intérêt particulier a été accordé au respect des échéances électorales. Il a également appelé à la préservation de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Le président de la République indique également que la cybercriminalité est aujourd'hui une réalité dont il faut faire face. On revoit les moments forts du message présidentiel résumé avec Amina Zahoufa. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé ce samedi que le choix démocratique est un principe ancré dont la consécration et l'approfondissement s'appuient sur des règles claires, rappelant dans ce sens le respect des échéances électorales organisées dans les délais fixés. Partant de ma conviction, précise le chef de l'État, de l'importance de cet engagement à préserver la stabilité institutionnelle, la continuité des services publics et la poursuite du développement. Le président de la République a appelé à la préservation
préservation de la cohésion sociale et de l'unité nationale et à l'atténuation des situations de tension et de parti pris. Il a souligné qu'il était primordial que l'esprit positif qui fait prévaloir les intérêts suprêmes du pays au-dessus de toute autre considération doit demeurer le leitmotiv et le levier des différentes forces actives du pays. Abdelaziz Bouteflika a assuré que les dispositions prévues par la nouvelle constitution visant à consolider les composantes de notre identité nationale, que sont l'islam, l'arabité et la mazirité, des composantes indivisibles et indissociables, sont autant de facteurs qui nourrissent cet esprit positif et galvanisent l'énergie des enfants de cette même patrie à œuvrer pour sa promotion et son essor dans le cadre de la paix, de la concorde, de la sécurité et de la prospérité. Il a rappelé que l'Algérie, après avoir réussi à dépasser les séquelles de la tragédie nationale et la destruction engendrée par le terrorisme, est parvenue à jeter les bases d'un nouveau départ pour poursuivre le processus de développement et de progrès. Aujourd'hui, nous pouvons, grâce aux importants pas franchis dans les divers volets de cette réforme, parler d'un système judiciaire moderne, apte à répondre à l'heure actuelle et pour les décennies à venir aux besoins de la société algérienne. Le président de la République a rappelé justement à ce propos la réalisation de structures judiciaires dans tout le territoire national, la révision conformément à la Constitution du Code de procédure pénale, la promulgation en 2013 de la loi portant organisation de la profession d'avocat, ou encore l'introduction des méthodes développées et de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour l'amélioration des conditions de travail et la garantie de sa transparence. Le président de la République a saisi cette occasion pour mettre en avant l'impératif de renforcer les mécanismes de coordination et de coopération régionale et internationale en vue de faire face aux conséquences négatives introduites par les progrès technologiques spectaculaires. Ainsi, tout en préconisant de tirer pleinement profit de ces innovations, l'Algérie commence à prendre les mesures de sécurisation requises et le gouvernement s'attelle à l'élaboration d'un projet de loi qui renforce les mécanismes permettant de faire face à ce nouveau fléau et de freiner son danger clair et permanent. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé que la poursuite du développement et les efforts pour sa diversification ne peuvent aboutir qu'en s'appuyant sur les ressources et les potentialités disponibles et les alternatives offertes pour la création de la richesse et la réalisation du développement durable. Il a précisé à ce propos que les industries de transformation, l'augmentation du nombre des petites et moyennes entreprises et l'élargissement de l'utilisation des énergies renouvelables et leur intégration dans les secteurs de production sont des alternatives offertes autant que le tourisme qu'il faut diversifier et dont le niveau de performance doit être perfectionné. Le président de la République a affirmé également dans son message que l'extension de l'agriculture en tant que choix stratégique doit être développée en permanence. Il a rappelé à cet effet l'attachement de l'État à continuer à assurer son rôle actif pour augmenter les niveaux de croissance économique et investir dans le capital humain et le développement social. Puis toujours, à l'occasion de cette célébration, le ministre de la Justice, garde des Sceaux Tayyip Louh, dans une déclaration, a souligné l'importance des réformes profondes apportées au secteur de la justice et notamment au statut de l'avocat, initié par le président de la République, premier magistrat du pays durant ces dernières années. Écoutez Tayyip Louh. لا شك أن الإصلاح المتعدد ميز. De multiples réformes ont été menées toutes ces années sous la houlette de son Excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ces réformes ont également concerné la justice avec toutes ses composantes. Une réforme que son Excellence le Président de la République a inscrite parmi les priorités. Ceci en créant dès le début la Commission nationale de la réforme de la justice. Celle-ci a établi un diagnostic, fait des propositions et des recommandations qui sont en train d'être appliquées au fur et à mesure. À cette occasion aussi, l'Union nationale des avocats algériens a honoré le président de la République Abdelaziz Bouteflika au vu de ses efforts pour renforcer les bases de la justice et de l'égalité et promouvoir le métier et le rôle de l'avocat, mais aussi pour ses efforts continus pour la poursuite de la réforme du secteur de la justice en Algérie. Écoutez à présent également cette déclaration du secrétaire général de l'Union des avocats arabes, Nasser Al-Kalouin. Il appelle à consacrer une journée unifiée pour défendre les droits des avocats. Il fait remarquer que cette journée célébrée aujourd'hui en Algérie est un exemple à suivre. Écoutez sa déclaration. « Je me remercie. » على الدعوة الكريمة
Je profite de ma présence ici parmi vous pour présenter mes remerciements pour cette invitation et le bon accueil. Au passage, je souhaite au peuple algérien, frère et son État, un franc succès dans son parcours de développement initié par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. La célébration de la Journée nationale de l'avocat se veut en réalité la transmission d'une image rayonnante de ce statut exceptionnel qu'occupe le métier d'avocat en Algérie, ce qui donne à notre message un sens particulier et un impact important dans la communauté internationale et continentale, chose dont nous sommes fiers au niveau de l'Union des avocats arabes. La Journée nationale de l'avocat est une occasion aussi pour rappeler le parcours et l'évolution du métier d'avocat en Algérie. Amel Bouaqba était ce matin au CIC. Elle a tendu le micro à plusieurs bâtonniers et experts dans ce domaine. Je vous invite à suivre son compte-rendu. Le rôle primordial de l'avocat dans l'appareil judiciaire et l'évolution de son statut à travers les années a été au centre de cette journée nationale de l'avocat qui coïncide avec l'assassinat de l'avocat algérien Ali Boumendjel, torturé et assassiné par le colonialisme français en 1957. Le message du président de la République Abdelaziz Bouteflika se veut un hommage à une corporation qui a joué un rôle actif durant la guerre de libération nationale et pendant la transition démocratique en défendant les libertés publiques et les droits de l'homme. Le message du président de la République, que ce soit en 2006 ou que ce soit cette année, a toujours été le message de placer cette profession dans ses valeurs réelles, dans sa perspective et dans son rôle de défendre les droits et les libertés et d'assurer et de contribuer réellement à l'établissement de l'état de droit. Son message, encore une fois, il appelle à prendre en charge cette profession qui, avec la magistrature, sont les deux ensembles, les deux composantes qui peuvent réellement asseoir le respect des droits, le respect des libertés. رسالة السيد رئيس الجمهورية تؤكد على رسالته الأولى لسنة 2006 لكن مع تطورات المجتمعات. Ils sont actuellement 46 000 avocats algériens recensés au niveau national. Il salue les réformes engagées depuis quelques années déjà pour moderniser le secteur. L'avocat algérien, depuis le début, n'est pas un avocat simplement qui est rentré dans la profession. En plus de l'amour de la profession, il est rentré dans un esprit, comme on dit en arabe, de nida. Donc c'est une profession de foi. Les réformes ont été engagées, c'est vrai, parce qu'il y a toujours des faiblesses. Quelle que soit, et il y a des faiblesses. Et c'est la pratique qui nous fait apparaître les faiblesses. Un moment très 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 important pour nous, donc qui nous rappelle déjà les valeurs de cette profession et la lourde responsabilité qu'on a nous aujourd'hui en tant que jeunes avocats. C'est une journée où on va se rappeler des sacrifices de nos aînés. Beaucoup de réformes sur les lois, compris par exemple le code de procédure pénale et le code pénal. Et donc par cette journée-là et par le combat de nos aînés, on voudrait bien que cette journée puisse avoir un impact médiatique aussi pour pouvoir exprimer nos souhaits. Et parmi ces souhaits-là, c'est appliquer les lois. Cette journée a été également marquée par la participation de plusieurs pays. L'Algérie est un allié aux côtés de la France en matière de terrorisme. Et il est essentiel aussi pour nous d'avoir d'excellentes relations avec, alors nous avocats, avec le barreau d'Alger et le barreau algérien et effectivement avec votre ministre de la Justice. La célébration de cette journée vient ainsi en réponse aux attentes des avocats, acteurs déterminants du processus des réformes de la justice pour la consécration d'un état de droit. Une information à retenir également ce soir, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de condoléances à son homologue français Emmanuel Macron suite à la prise d'otage survenue hier en France, dans lequel le chef de l'État exprime la condamnation vigoureuse par l'Algérie de cet attentat et sa solidarité
ainsi que sa coopération active face aux menaces et crimes terroristes. C'est avec une profonde indignation que j'ai appris la prise d'otages terroristes qui a frappé la localité de Trèbes, faisant des victimes parmi la population et les forces de l'ordre, dont un officier de la gendarmerie qui s'est distingué par son héroïsme et son sacrifice avec lesquels il a sauvé la vie d'un otage, a écrit le président Bouteflika dans son message. Et puis en cette pénible circonstance, écrit le chef de l'État, je voudrais vous exprimer au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom personnel nos plus sincères condoléances à vous-même, aux familles des victimes et à tout le peuple français, indique encore le président Bouteflika dans son message adressé à son homologue français. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, est aujourd'hui à Genève, à la tête d'une délégation composée de parlementaires des deux chambres, pour prendre part à la 138e session de l'Union parlementaire internationale des travaux qui concernent plusieurs points, notamment la coopération parlementaire et la coordination des efforts pour la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine. Et puis, comme je l'ai annoncé en titre, Abdelkader Ben Salah, ministre des Affaires étrangères, poursuit sa tournée en Europe de l'Est. Il est arrivé aujourd'hui en Serbie, où il a été reçu notamment par le Premier ministre de la République de Serbie, Madame Ana Brnabić. L'entretien a porté essentiellement sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement dans le cadre des deux parties. Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué le référent historique des liens algéro-serbes qui doit inspirer le développement des liens de coopération entre les deux pays. Abdelkader Ben Salah s'est entretenu également avec son homologue, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République de Serbie, Ivica Dačić. Un entretien élargi aux deux délégations. Les deux ministres ont d'emblée évoqué la mémoire du caméraman serbe de la révolution algérienne, Steva Labudović, décédé, il faut le rappeler, en novembre dernier, qui symbolise les liens historiques qu'entretiennent les deux pays. Ils ont par la suite procédé à une évaluation d'ensemble de l'état des relations bilatérales et de la coopération des deux pays dans divers domaines, en se félicitant bien sûr de la qualité des relations d'amitié et de coopération algéro-serbe. Des signatures ont sanctionné donc cette entrevue entre les deux ministres des Affaires étrangères. Alors les signatures ont concerné notamment un mémorandum d'entente dans le domaine de l'environnement et du développement durable et les énergies renouvelables, ainsi qu'un programme de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports couvrant la période 2018-2020. Voilà donc pour cette signature. Notez également que les deux ministres avaient animé une conférence de presse durant laquelle le ministre serbe des Affaires étrangères avait réaffirmé la position de la Serbie sur la question du Sahara occidental en soulignant que son pays n'a jamais changé sa position sur cette question. Je vous invite à écouter la réponse de Abdelkader Ben Salah qui était donc présent à cette conférence de presse. Écoutez. Nous avons parlé longuement de la lutte antiterroriste, de la menace qu'elle constitue pour nos pays. Nous avons parlé également de la question de la migration clandestine et qui nous interpelle aussi. Nous avons parlé donc des questions liées à la déradicalisation. Nous avons parlé également des questions liées au vivre ensemble. Nous faisons toujours référence au droit international. Nous faisons référence aux résolutions des Nations Unies. Et dans le cas du Sahara occidental, c'est une question de décolonisation. Elle est inscrite à l'ordre du jour des Nations Unies en tant que telle. Toutes les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, toutes les résolutions du Conseil de sécurité font que cette question est une question de décolonisation et que la solution réside dans l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Ça n'a rien à voir avec le Kosovo ou avec d'autres régions. Voilà donc pour cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, je le rappelle, qui poursuit sa visite dans la région de l'Europe de l'Est. On revient en Algérie pour vous parler de cette cache d'armes. J'en parlais tout à l'heure en titre. C'est une cache qui contient une importante quantité d'armes et un lot considérable de munitions
Et autre pièce qui a été découverte hier, vendredi, à Borj Baji Mokhtar par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique ce samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le MDN précise dans son communiqué que cette cache contenait précisément 4 fusils mitrailleurs de type FM, 8 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 fusils mitrailleurs de type PKT, un fusil mitrailleur de type FMDP et puis un pistolet mitrailleur de type G3. 3 fusils semi-automatiques de type Simonov et 4 fusils à répétition, un lot important, impressionnant, vous le voyez sur ces images. S'agissant des munitions et autres pièces contenues dans cette cache, la même source signale que 15 chargeurs de munitions pour pistolet Kalachnikov, 48 obus de mortier de 40 et 80 mm, une roquette RPG-7 et 6 grenades ont été saisies, aux côtés aussi d'une cache qui contenait aussi une importante quantité de munitions s'élevant à 3224 balles de différentes charges explosives, pour mortier notamment, et puis des équipements topographiques et un lot de pièces de rechange pour des armes à feu. Notez que cette opération de qualité vient s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain et qui réitère la grande vigilance et la ferme détermination des éléments de l'armée nationale populaire à préserver la sécurité du pays et sa stabilité, conclut encore le communiqué du MDN. Un mot sur le sport pour vous dire que la JS Kabylie, vous l'avez certainement suivi tout à l'heure, a pris le dessus sur l'USM Blida ce samedi au stade du 5 juillet par un score de 2-1. Les Canaries décrochent le dernier billet mis en jeu pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football. Une très belle affiche avec un match qui aura tenu en haleine tous les spectateurs. Vous avez été nombreux à le suivre. Un match donc qui s'est joué cet après-midi au stade du 5 juillet sous une pluie battante. Voilà donc pour l'information, un rappel des titres avant de vous quitter. Célébration de la journée nationale de l'avocat. Le président de la République a adressé un message lu en son nom par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyip Louh. Un message dans lequel le président Bouteflika a souligné les combats et les sacrifices des avocats algériens durant la révolution algérienne. Et puis dans son message, le président de la République souligne aussi le choix démocratique qui est un principe ancré dans la consécration et qui s'appuie sur des règles claires. Dans ce sens, le président de la République indique qu'un intérêt particulier a été accordé au respect des échéances électorales. Abdelkader Messahel en visite aujourd'hui en Serbie. Le ministre des Affaires étrangères y a rencontré plusieurs personnalités de ce pays, à leur tête le Premier ministre. L'occasion pour la Serbie de réaffirmer sa position sur la décolonisation du Sahara occidental. Nous avons écouté notamment le ministre des Affaires étrangères dans ce journal. Et puis cette cache qui contient une importante quantité d'armes et un lot considérable de munitions et autres pièces découvertes hier à Borj Baji Mokhtar par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est une cache donc qui a été découverte par les éléments de l'AMP selon un communiqué qui nous est parvenu ce soir par le ministère de la Défense nationale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée à tous et puis bon début de semaine. Au revoir.